pas mal vraiment. Attention, va-t-il réussir à le porter? Palam! Ça va? Dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se mai qualcosa di noi c'è ancora. Paisible. Au milieu, et au bout du corps. Derrière radio, devant le grand. Avec Clément Garnier. Avec Clément Garnier. Et sa combinaison rose. Là, je suis le plus bien désert, là. Regardez ça en dessous, là. Et comme on voit, la barque, ils ont encore fait des travaux, là, parce qu'il y a des filets qui étaient partout. Voilà. Bienvenue sur le bateau du Vercors. Allez, une courbe, jouez avec la glace, une courbe. Oh putain! Di respirare fuori da questa inquietudine, morti tu, non sentirmi sempre così fragile. No, no, tu dimmi solo se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione. Dimmi se ancora sei tu, ancora di più, la nostra canzone che risuona. Tu dimmi se mai qualcosa di noi c'è ancora dentro. Jeffrey, il a fait des photos magnifiques. Il a fait des photos, ah, c'est bien. Ah, c'est bon alors. C'est une galerie large qui aspire à environ 300 000 secondes mesurées avec Gilles. Voilà, une petite galerie comme ça qui remonte dans la nuit noire tout le temps là. Voilà, très impressionné, mais bon, c'est pas la loi, avec le kit. Et on sort. Mais non, c'est bon, je fais un film. Alors, allez, voyez-vous, nous faisons une dépollution. Une dépollution. En mode castorama, hein,
Voilà, bienvenue chez Casto, au fond du Cialé Saint-Mauvert. Alors, il y a même une gourde là, c'est bienvenue chez Decathlon. Hein. Mais on a récupéré ça pour faire des choses plus utiles à l'extérieur et laisser un Cialé propre. Donc voici Gilles Paluet en récupérateur. Et qui remonte. Allez, Lilou! Bienvenue au Z63. Voilà un bobini fait par Cédric. Un arbre au-dessus. Donc. On descend ce trou qui est exactement à l'aplomb du réseau de la Veuve dans le Cialé bleu. Cédric Astier, des équipes. Un Cialé qu'il a équipé. Voilà Cédric qui ressort. Alors ça souffle légèrement. Voilà. Une petite exploration sur le plateau du Vercors. Bravo Cédric! Plateau du Vercors. Ouais, j'ai Cave Exploration, bonjour. Donc là, on a fait un peu de. Enfin, j'ai fait un peu de première dans cette galerie là. En fait, on est un Cialé qui s'appelle le GS71. Il y avait un méandre qui partait moins 3 mètres en dessous de la tête de puits. Et je suis arrivé dans une galerie très compressionnée avec de la boue par terre. Personne n'était jamais venu. Le méandre débouche dans une galerie de forme de largeur très généreuse. Il y a 2 mètres sur 1 mètre de haut. Et donc cette galerie continue, absolument non ventilée hein, par contre, continue. Alors là il y a une bifurcation, sur la gauche il y a un gros lame noir qui part comme ceci. Alors là un gros lame noir qui part comme ceci là, qui fait 15 mètres encore et qui se bloque. Et ensuite sur la gauche, ici là il y a un puits qui part, mais c'est un puits absolument minuscule et qui descend là. Mais il y a une lucarne là avec une salle derrière qui a l'air assez grande ma foi. Avec une galerie qui a l'air certainement pas mal. Et du coup j'aimerais bien y aller mais je ne peux pas. Donc il va falloir prendre des moyens plus conséquents peut-être. C'est très légèrement ventilé. Et je vais voir si je peux pas aller dehors. J'ai envie de sortir parce qu'on n'est pas très loin de la surface. Ah ah. Il ne me répond pas. Salut. Donc là c'est le bas du Saint-Pinal, un peu le Saint-Pinal qui va avoir la gloire. Là c'est une grande dalle qui va descendre des vierges vers Darbounouze. Là-haut c'est